Good morgen, allez, il est sur aujourd'hui. L'irfouat, Refeldov, Ben Yehudit, Betor Shachol Israël, ainsi que le Lingishmat, Avram, Reynor, Ben Fortuné, Mazal, Nachman, Ben Yosef, Nachman Yosef, Ben Nahum, Idida, Ben Tester, Yakov Nissim, Ben Chana, et Machlouf, Micha, Ben Masouda. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sekhat Kirtout, Perek Vav, Mishnah Chet. Mevi'in, Mehegdesh, Kisba, Seira. Mehegdesh, Seira, Kisba. Megdash Kisba ou Seira, Torinu Bne Yona. Megdash Torinu Bne Yona, Asiri Taifa. Keitzad. Efrish le Kisba ou le Seira. Heeni Yavi Off. Heeni Yavi Asiri Taifa. Efrish Asiri Taifa. Heeshir Yavi Off. Heeshir Yavi Kisba ou Seira. Et une partie de la méchante entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi elle est entre parenthèses, tous les commentateurs l'ont expliqué. Peut-être que dans votre livre, elle est pas, entre parenthèses d'ailleurs à propos. En tout cas, la Mishnah nous dit Ifrish Kisba Oseira Venista Avu. Imratsa Yavi Bedmen Of. Ifrish Of Venista Av. Lo Yavi Bedamav Asirita Efa. Shen Of. Shen La Of Bidion. Deux petites notions très simples à connaître. Tout d'abord, dans un Korban Khatat, j'ai la possibilité d'apporter une Kisba Oseira. Kisba, c'est une brebis, la femme du mouton. Et Seira, c'est une chèvre. Donc, la Torah, elle m'a dit, tu décides ce que tu veux. J'ai la possibilité, j'ai le choix. On apprendra même dans la prochaine Mishnah qu'il n'y a aucune priorité à l'un plus que l'autre. Maintenant, concrètement, pour raison d'affinité, peu importe, j'ai prélevé de l'argent pour apporter une kisba, un mouton. Et finalement, je trouve une chèvre, c'est-à-dire, allez, je préfère prendre la chèvre. Est-ce que je peux changer? La Mishnah m'enseigne que oui. Mevin mehegdesh kisba, seira, mehegdesh seira, kisba. On apporte un hegdesh kisba, d'un argent sanctifié pour en offrir un mouton, une brebis. Eh bien, on apporte une seira, une chèvre, et inversement, mehegdesh seira, kisba. D'un argent sanctifié pour apporter une chèvre, on pourra apporter une brebis. Deuxième notion maintenant à connaître dans la Mishnah. Je vous ai dit qu'il y avait deux notions. Tout d'abord, pour un khatat, on peut apporter kisba ou seira. À part ça, la notion du korban ole veyored. Pour certains quarts de khataot qu'on apprenait dans la sechet kirtout, déjà, la Torah a la possibilité d'apporter un korban khatat qui s'appelle un khatat ole veyored, qui monte ou qui descend. C'est-à-dire, la Torah a fixé plusieurs barèmes pour les riches, pour les moyens et pour les pauvres. Selon sa situation financière, il devra, s'il est riche, il est aisé, il devra apporter nécessairement une kisba ou seira, une brebis ou un mouton. Mais s'il n'est pas assez riche, selon des barèmes qui étaient établis dans la fin de Tumura, si je ne me trompe pas, alors s'il était, donc il est pas assez riche, la Torah dit, tu sais, si tu veux, tu pourras aussi apporter des torim ou neyona, des tourterelles ou des pigeons. D'accord? Des volailles. Et même mieux que ça, si t'as pas encore même ça, tu n'as pas les moyens, les très pauvres, eh bien, il pourra apporter aussi une oblation de blé à la place du korban khatat. Ok? La Mishnah maintenant va mentionner quelque chose de très particulier. Je vais vous le dire à l'oral tout d'abord, après on va le voir dans les mots. C'est que celui qui a prélevé de l'argent pour apporter un mouton, parce qu'il était riche, après il est devenu pauvre et moyen, disons. Donc maintenant il va apporter de la volaille, il aurait préféré apporter de la volaille. La Torah, on va déduire ça d'un pasouk, que la Torah lui permet de prendre cet argent du mouton, d'en acheter une volaille, et avec le reste, il le récupère pour lui. Et idem, ensuite, si avec l'argent de la volaille, il est devenu encore plus pauvre, il voudrait acheter une oblation de blé, il pourra le faire, et avec le reste de l'argent, le reste de l'argent de nouveau, il sera pour lui. Ça, c'est déduit d'un pasouk. Tout d'abord, on fait ça dans les mots de la Mishnah. Mehegdesh, kisba oseira, d'un argent qui était sanctifié pour apporter une kisba oseira. Une brebis ou une chèvre, eh bien, on pourra porter des taurines ou bneyona. Des taurines, c'est des tourterelles, ou des bneyona, c'est des pigeons, pour en faire une offrande de volaille. Mais hekdesh taurine ou bneyona, s'il avait de l'argent sanctifié pour apporter des taurines ou des bneyona, des tourterelles ou des moutons, ou des pigeons, alors la Mishnah me dit, eh bien, tu pourras apporter de cet argent à Sirita Efa, tu pourras apporter aussi un dixième d'une EFA, c'est la quantité de farine requise pour offrir l'oblation de blé. Et la Mishnah commente encore plus.
Tout d'abord, je vous dis juste la source du Barthénora, c'est que la Torah nous dit à chaque fois, Bekorban le Yored, Mechatato Asher Chata. Il apportera une volaille, Mechatato Asher Chata. À cause d'un mot un peu en plus, comme ça, la Chachamim, on lit ces mots de manière un petit peu plus originale, ils ont dit, du Korban Chatat que tu devais apporter, tu pourras en apporter une volaille, et en fait, on a inclus de là, en fait, la Torah nous a fait allusion, qu'il y avait un riche qui s'appauvrit, qui avait prévu d'apporter un vrai khatat, une vraie kisva au Seira, qui finalement il voudra apporter une volaille. La Torah l'a dit, tu pourras le faire. Pourquoi tu pourras le faire? Pour que tu récupères de l'argent pour ta poche. Donc la Torah, elle inclut que l'argent, il est devenu nécessairement profane ensuite. C'est-à-dire, j'avais 1000 shekels pour apporter un mouton, pour acheter un mouton, je vais utiliser 100 shekels pour acheter des volailles, et les 900, ils reviennent pour ma poche. Comme ça, il interprète le Tiferet Israël. Il y avait une petite question, je n'ai pas voulu rallonger trop, mais si vous voyez, vous comprendrez. Ensuite, la Mishnah maintenant continue en me disant, Keitzad, comment se présente le cas? Il friche le Kisba ou le Seira. Il a prélevé de l'argent pour apporter un mouton ou une chèvre. Et Eni, ensuite il est devenu plus pauvre. Yavi Off, il pourra porter avec cet argent une volaille. Et Eni, si ensuite il est devenu encore plus pauvre, eh bien, Yavi Asirita Efa, il pourra apporter la quantité requise de farine pour apporter une oblation, d'accord? Une oblation de blé. Il friche, maintenant, jusqu'à maintenant, on a dit qu'il s'est appauvri davantage. La Mishnah, maintenant, va reprendre le cas inverse, où il était pauvre, il a prélevé de l'argent pour apporter une oblation, et puis maintenant, il est devenu riche, suffisamment riche pour pouvoir apporter une volaille. La Torah, la Mishnah va lui dire, tu sais quoi, tu prends l'argent que tu avais initialement pour l'oblation, tu rajoutes dessus, tu vas acheter la volaille. Si tu deviens encore plus riche, tu rajoutes l'argent et tu vas acheter un mouton ou une brebis. Une brebis ou une chèvre. Et ce que la Mishnah me dit, il friche la Asirita Efa. S'il a prélevé pour apporter une oblation de blé, d'une quantité de Asirita Efa, et échir, si ensuite il est devenu plus riche, Yavi Off, il pourra apporter une volaille. Et échir, si ensuite il est devenu encore plus riche, Yavi Kisba Oseira, il pourra apporter une Kisba Oseira, c'est-à-dire en utilisant l'argent qui était pour le niveau inférieur, et en rajoutant de sa poche plus pour acheter le niveau supérieur. Ok. La troisième partie de la Mishnah maintenant, c'est le même principe presque, avec une petite différence, c'est qu'à présent, on ne va plus parler de quelqu'un qui a prélevé de l'argent, mais on va parler de quelqu'un qui a prélevé un animal, et qu'après il est devenu pauvre. Et que pendant ce temps, l'animal, il a eu un défaut. C'est-à-dire, il avait prélevé un korban, khatat, regardez, on fait dans les mots directement. Il friche kisba au seira. Il a prélevé une brebis ou une chèvre pour apporter son korban khatat. Et ensuite, venista à vous, et ils ont eu un défaut ensuite. Donc maintenant, il doit les racheter. Et entre parenthèses, regardez dans Rashi, il va nous dire sur le imratza yavibidmen, qui gon imeni, c'est devenu ensuite pauvre. Imratza yavibidmen off. De la même manière aussi, il pourra revendre maintenant ces deux brebis à cette brebis-là, il la revendra à 1000 shekels, et il va récupérer les 1000 shekels, et maintenant il pourra de nouveau, Imratza yavibidmen off, il pourra porter avec sa valeur une volaille, c'est-à-dire il utilisera son shekel pour la volaille et il gardera 900 shekels pour sa poche. Par contre, Ifrish off venistaav, s'il a prélevé une volaille et que cette volaille elle a eu ensuite un défaut, alors là, il n'y a rien à faire. Il ne pourra plus racheter la gdusha. Pour quelle raison? Loyavi bedama vasiri taifa. Il ne pourra pas apporter avec sa valeur une oblation de blé, acheter la quantité requise de blé. Pourquoi? She'en la off pidion. Car la volaille n'a pas de possibilité d'être achetée. C'est-à-dire, toute la halakha, cette fois-ci, elle est fondée sur le fait que j'ai un korban qui est devenu invalide pour le mizbéar. S'il est devenu invalide pour le mizbéar, je le rachète. La Torah nous a dit, tu sais quoi? Tu rachètes uniquement les mammifères, les vaches, les taureaux, les brebis, les moutons, les chèvres. Mais les volailles, s'il y a eu un défaut, il n'y a plus rien à faire. La volaille, elle doit se laisser, il faudra la tuer et apporter avec ta poche, la laisser mourir d'elle-même. Et apporter de ta poche un nouveau korban. Donc de ce fait, si la volaille a eu un défaut, tu ne pourras plus. La Mishnah nous dit que ce n'était pas possible d'évoquer le cas d'une volaille où tu vas utiliser la contre-valeur de la volaille. Il n'y a pas de contre-valeur pour la volaille. La volaille, si elle a eu un problème, elle meurt. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.